Là, c'est dispensé à prison. Oui, oui. C'est là, depuis un détenu fini, il est supposé passer là, il est sorti dans le greffe là. Pour nous capables, ouais, s'il n'y a pas de maladie contagieuse, tout ça, il a fait test et grossesse pour lui, pour nous connaître s'il vient tout enceinte, s'il a une maladie quelconque, ok? Donc, et l'État, ici, tout, payer des médecins pour capable garder les gens, pour capable et consulter les gens, des infirmières tout qui là, et pour capable toujours faire suivi médical pour les gens. Actuellement là, si on entre là, on a après nous un docteur dedans qui a consulté et un détenu. OK? Nous avons une infirmière là tout qui est en dedans ensemble avec le docteur. Ici, c'est notre atelier de confectionnement d'uniformes. Les uniformes des détenus sont confectionnés ici. C'est le F2Worlds, financé par l'USAID, qui fait ce projet. Et on a aussi les détenus qui travaillent ici, et des professeurs également. Femmes d'un côté que là, dans une salle de classe, nous rencontrons le professeur lui-même qui a enseigné des femmes. Et Nabjou, bonsoir, merci pour vous permettre de nous faire parler ensemble avec vous. Qui ça exactement qu'on a enseigné Timoun Sayo et qui l'âge yo, qui est dans la classe là et qui curriculum soit enseigné? Ok, en général, moi-même, je travaille pour une organisation internationale qui est Terre des Hommes Italie. Donc, je travaille dans la protection de tout le monde. Moi-même, je suis psychologue. Donc, nous faisons des travaux puis psychosocial. Maintenant, nous avons une thématique. J'en carré en sous émotion côté n'a parlé de émotion qui s'allier les comment manifester et les présenter la caillou comment pour apprendre surmonter. Très bien. Dans la classe là qui genre d'élèves vous gagnez, est-ce que d'abord est-ce que yo comporté ou bien puisque la perception c'est que yo en prison sur maillot des autres. Donc qui perception alors est-ce que démonter perception ça et qui genre d'élèves vous gagnez? Bon, en général moun yo gont très mauvaise perception de détenus moun qui fait prison. Mais ça m'a dit son très mauvaise perception parce que faut travailler dans le milieu carcéral pour comprendre. En général, donc des fois, parce que dans le milieu il y a les stressants, des fois ça qu'on arrive ils ont déjà agité. Mais nous-mêmes nous gagnons des façons que nous parlons avec ou comprendre parce que c'est des mineurs, des adultes, ils ont toujours chita convenablement, ils suivent pour eux sans que seulement nous baillons. Et principe jouette là, règle jouette là. Comment pour y aller, si pour poser une question, il faut solliciter la parole. Là, c'est cours de récréation, c'est-à-dire qu'on l'heure bien déterminée et nous mettons mesdames dans pour être capable de prendre un petit l'air libre. Là, ça a quitté l'espace dortoir côté que vous êtes. Ils sont venus là, groupe par groupe. Pour être capable de recréer un petit peu, yo ka sauter, yo ka jouer là en effet. OK, donc c'est espace ça qui est réservé pour yo faire ça. En l'air en bas, gros mesdames en l'air, mineurs en bas. Espace ça c'est cours de récréation mineur yo même, yo en bas. Étant donné que c'est deux blocs yo gagne un bloc ça pour recréer et bloc ça yo même tout pour recréer. Combien de prisonniers que nous passons nous gagner là en de prison? Nous avons environ 225. 225 femmes qui sont incarcérées. Et on... les mineurs, y compris les mineurs. Mineurs et adultes. OK. Et on nous parler peut-être de cas, par exemple, qui dit qu'il y a une détention à perpétuité. Alors, est-ce que vous avez une idée de cas ça?
Combien eux à perpétuité par exemple combien nous gagnent à vie moun qui dans prison là qui pas jamais sorti il est capable yon dizaine pas plus yeah. D'accord et nous gagnons une idée de qui genre de accusation gagne contre eux si vous passez devant juge pour qui ça yo là bon accusation diverse c'est toute accusation qu'on gagne que chaîne pénale là li bail qui gagne quelques cas de condamnation là dehors c'est toute base ça qui là si n'a dit nous gagne vol armée kidnapping viol assassinat meurtre tout ça c'est tout. Mesdames, femmes, vous faites tout gros acte ça. Ce sont des êtres humains. Ou dit viol. Donc, mesdames, femmes grandes qui violent les garçons. Ce sont des êtres humains. C'est ça, vous voyez, nous dans le dossier. Intéressant de savoir. Merci.